Bonsoir, monsieur Moscovici. Comme nous sommes en direct, je suis obligé de vous prévenir qu'à tout moment, nous pouvons être interrompus en cas de victoire, monsieur Moscovici. Pas avant 2012, quand même. Non. Est-ce que vous savez de quelle victoire il s'agit ? Là, à l'instant, non. Eh bien, vous me faites peur, monsieur Moscovici. Vous qui étiez délégué aux affaires européennes, ce soir, c'est l'Eurovision, monsieur Moscovici. Ah. Oui, c'est vrai. Mais enfin, l'Eurovision, c'est pas l'Union européenne, vous savez. C'est plus vaste. Par exemple, il y a les Turcs qui chantent à l'Eurovision. Comme ils jouent d'ailleurs dans les coupes de l'UEFA. Oui. Voilà. Il y a Israël qui joue dans les coupes de l'UEFA aussi. Qui a gagné, ça. Donc c'est une très grande Europe. Oui, de toute façon, je vais vous dire, pour l'instant, on est 21e au classement. Mais... donc je crois qu'une fois de plus... Ça doit être pour ça, j'ai occulté complètement. Ça fait, je ne sais pas combien d'années que la France n'a pas gagné. Et comme je suis un peu chauvin, forcément... C'est plutôt défaite habituelle que défaite interdite. Vous pouvez donc rester sur France 2 pour suivre. On n'est pas couché. La France ne gagnera pas ce soir le concours en revision de la chanson. Pardon, hein. Mais je sais que vous aimez parler de l'Europe, alors pourquoi pas l'Europe en chanson, après tout. Ça adoucit les mœurs. Ouais. Alors, j'espère que vous chanterez l'année prochaine, en 2012, en mai 2012, puisque vous souhaitez évidemment que la gauche l'emporte. La défaite est interdite, puisque vous dites, évidemment, le président de la République actuelle, Nicolas Sarkozy, a toutes les chances de perdre, mais c'est pas pour autant que la gauche a toutes les chances de gagner. C'est ça le problème. Je dis un peu l'inverse. Je pense que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, il peut plus gagner au sens où les électeurs qu'il a convaincus en 2007, parce que c'était une victoire d'adhésion. Hein. Il y a eu beaucoup d'espoir autour de Nicolas Sarkozy, ce n'était pas le mien. Mais enfin, il y a eu 53% de Français qui ont cru en lui, qui se sont imaginés que la croissance reviendrait, le plein emploi, le pouvoir d'achat, qu'on allait travailler plus et gagner plus, qu'il allait s'occuper de la France qui se lève tôt, qu'il allait être méchant avec les riches. Et cela, on leur a menti, on les a trahis, on les a déçus, pas que cela d'ailleurs. Et donc je ne pense pas qu'aujourd'hui les Français soient capables de dire « nous voulons Sarkozy ». Donc il ne peut plus gagner. Mais nous pouvons encore perdre. En 2002, juste alors, avant... Alors qui va gagner si les socialistes perdent et Nicolas Sarkozy juste avant l'élection présidentielle de 2002, c'était Jospin qui était favori. Et en 2007, on disait Sarkozy ne peut pas être élu président pour des tas de raisons. Et il est aujourd'hui président de la République. Et la gauche, c'est ce que je décris dans ce livre, a beaucoup de péchés mignons. La frivolité, le narcissisme, la division, l'incapacité à convaincre qui font que ça n'est pas acquis. Et c'est pour ça que je nous mets en garde nous-mêmes contre cette idée reçue qui voudrait que d'ores et déjà un socialiste soit à l'Élysée. Autrement dit, on fait notre primaire et puis après circuler, il n'y a plus rien à voir. Ce sera une bataille extrêmement dure dans laquelle il faut qu'on soit capable de réussir ce que nous n'avons pas fait depuis au fond combien de temps ? 24 ans. Ça fait 24 ans qu'un socialiste n'a pas été élu président de la République. C'était François Mitterrand en 88. Sa réélection. Oui, vous me rappelez bien tout ça. D'ailleurs, pour ça, c'est la première partie du livre, il faut le dire, est très intéressante, parce que ça nous rappelle des chiffres, des faits, la situation non seulement dans le monde, mais aussi en Europe. Hein. Vous dites, effectivement, la droite aujourd'hui dirige 21 des 27 pays de l'Union européenne, dont 5 des 6 pays les plus peuplés. Au cours des dernières années, la gauche a été défaite en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Slovaquie, en Hongrie, en République tchèque, ne l'emportant qu'en Autriche laborieusement, au Portugal difficilement et en Grèce douloureusement. La gauche est aussi menacée, le rappelez-vous, en Espagne. Et les élections européennes de juin 2009 ont été pour le Parti Socialiste Européen une déroute que rien ne laissait présager. Alors là, tout ça, c'est pas très optimiste alors pour la France hein, et la gauche, en tout cas française. Il y a une droitisation des sociétés européennes qui est incontestable. Et la France, d'un certain point de vue, ne fait pas totalement exception. Quand on voit la montée du Front National, quand on voit le panel des forces de droite, les centristes, c'est quand même essentiellement la droite, on constate que la droite est plutôt majoritaire dans le pays. Mais il se produit aussi le fait que les Français, et c'est ça qui est contradictoire, veulent changer. Et je pense, moi, que cette aspiration au changement, elle existe face à Sarkozy. Et toute la question, c'est comment elle peut se porter vers la gauche et non pas vers l'extrême droite, et comment ça peut faire une majorité. Au fond, je dirais que c'est une élection curieuse, parce qu'il y a en gros 55 à 60% de Français qui ne sont pas de gauche, et il y a au moins autant de Français qui ne veulent pas de Sarkozy. Comment ça se transforme en majorité politique? Et pour nous, il faut non pas seulement que ce soit l'anti-sarkozisme, mais que ce soit une majorité d'adhésion. D'où l'enjeu, effectivement, du candidat. Ça ne peut pas être n'importe qui, n'importe comment. Et puis aussi l'enjeu d'un projet pour les Français
qui les réconcilie avec la gauche, c'est-à-dire qui soit un projet de redressement du pays, puisque les Français, en ce moment, ont plutôt l'impression d'une dépression, d'un déclassement, d'un recul dans la mondialisation, et dans l'Europe aussi, d'ailleurs. – La première partie, c'est donc l'analyse de la situation, l'analyse de toutes ces années d'échec de la gauche. Ensuite, effectivement, on a un début de programme, on va dire, pour intéresser les Français au vote de gauche, donc. Et puis, bon, la conclusion, alors on la connaît, hein, c'est que finalement, cette élection peut et doit être, c'est vous qui l'écrivez sur les dernières pages, cette élection en 2012 peut et doit être l'heure de Dominique Strauss-Kahn, s'il le souhaite. Vous écrivez « Il ne s'agit pas là pour moi d'abord d'un engagement affectif, même si c'est aussi une question d'amitié et de fidélité. L'enjeu est trop grand pour en rester là. C'est plutôt le fruit d'une analyse et d'une réflexion. J'ai identifié les enjeux de la bataille en 2012. Pour moi, ils seront économiques, sociaux, puis internationaux et républicains. Il faudra construire une nouvelle croissance, la partager justement, relancer l'Europe, diriger le pays autrement. Il me semble que les sondages aujourd'hui si favorables au directeur général du Fonds monétaire international expriment à la fois cette attente et la confiance faite à Dominique Strauss-Kahn pour y répondre mieux que tout autre responsable politique. » Ça veut dire que vous avez mis un mouchoir depuis quelques mois déjà sur votre propre candidature aux primaires socialistes et que votre candidat, c'est donc DSK. S'il le souhaite, et au jour où nous parlons, moi, je ne sais pas... C'est vrai, vous n'avez pas de contact avec lui du tout ? Si, bien sûr, j'ai des contacts. Vous le savez, alors. Mais ce que je sais, c'est que, d'abord, Dominique Strauss-Kahn est directeur général du Fonds monétaire international, et qu'il est quand même en train de se consacrer à des affaires qui sont d'importance un peu mondiale, stratégique, cruciale. Je pense, par exemple, aux difficultés de la Grèce, aux difficultés du Portugal. Et il n'a pas l'esprit à deux choses à la fois. Je lisais dans Le Figaro, il y a quelques jours, n'est-ce pas, Éric Zemmour, que, paraît-il, l'affaire grecque compliquerait le calendrier de Dominique Strauss-Kahn. Moi, je pense que ce n'est pas du tout comme ça que les choses se produisent. Quand Dominique Strauss-Kahn s'occupe de la Grèce, c'est comme directeur général du Fonds monétaire international, et pas en pensant au calendrier du Parti socialiste. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième, c'est qu'il y a effectivement un calendrier, c'est le 28 juin, et honnêtement, il n'y a aucune raison de se précipiter quand on voit, d'ores et déjà, vous le disiez, la fébrilité, les boules puantes, le climat, on se dit autant rester un peu dans les starting blocks. Et troisièmement, et c'est dit depuis le début, entre Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, il y a, on a appelé ça un pacte, moi je dirais pas ça, il y a une réflexion commune qui fait qu'un des deux se présentera aux primaires socialistes et ils le décideront ensemble. Et moi j'ai exprimé ma préférence, mais en même temps je respecte cela. Donc ce que j'ai dit et ce que je redis ici, c'est au fond mon sentiment, c'est que les Français qui nous écoutent, ils se disent d'abord comment est-ce qu'on fait pour redresser le pays sur le plan économique. Ils se disent ensuite comment on fait pour recréer une société plus juste et moins inégale. Il voit bien que la relance de l'Europe est nécessaire, parce que l'Europe est quand même en panne. Peut-être pas l'Eurovision, mais l'Europe. Et puis enfin, il s'interroge sur nos valeurs républicaines. Qu'est-ce que c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité dans ce début de 21e siècle? Et c'est vrai que ça dessine un peu un portrait robot et que quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn apparaît. C'est pour ça qu'il est bon dans les sondages, comme l'homme des solutions, ou un homme des solutions, parmi les socialistes, peut-être un peu mieux que les autres. En tout cas, c'est mon analyse. Vous avez évoqué les boules puantes, justement. Est-ce que vous ne pensez pas que son image, là, est quand même en train d'en prendre un sacré coup depuis deux semaines? Je ne vais pas vous demander combien coûte votre costume, mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces affaires, la Porsche? Je sais que vous avez toujours de très beaux costumes, hein, vous êtes réputé pour ça, monsieur. Mais gentil, bah. Vous les achetez au même endroit que Dominique Strauss-Kahn? Il y a une chose déjà que je peux dire, vous savez, ça n'a pas été dit, parce que un peu tout et n'importe quoi. Et parfois, trop, c'est trop. S'agissant de ces costumes, d'abord, moi, j'ai jamais vu un costume à 35 000 euros. Et puis ensuite, non, ce monsieur, je crois, Georges de Paris, n'a jamais fait un costume pour Dominique Strauss-Kahn. D'où le fait que Dominique Strauss-Kahn ait intenté une plainte à François pour fausses informations. Et ça prouve quand même qu'on vit dans un climat... Pourquoi François maintient ces informations? Et il y aura la justice qui le dira, mais vous savez, mettez-vous à la place de Dominique Strauss-Kahn. Si lui pense que c'est un mensonge, et il le sait, il ne va quand même pas intenter un procès à un journal pour ensuite se faire redire qu'il a effectivement eu ce costume. Je dis ça pourquoi? Je dis pour dire qu'on va entendre tout et n'importe quoi dans cette campagne. Et moi, je me dis que si cette campagne de boule puante est en train de partir, c'est parce que Dominique Strauss-Kahn fait peur. Et il fait peur à qui? Il fait peur à Nicolas Sarkozy. Je suis quand même surpris de la coïncidence de toutes ces rumeurs, de tous ces bruits, etc. J'ai entendu dire que Nicolas Sarkozy pensait que c'était le candidat le plus facile à battre. C'est exactement le contraire. Il pense sans doute que c'est un des plus compliqués. Et donc, moi, je vois dans tout ça quand même une campagne qui, en plus, se tourne contre un homme qui ne peut pas se défendre parce qu'il est aujourd'hui directeur général du FMI. Alors, il ne peut pas entrer dans la bataille politique. Vous êtes là pour ça?
Ben, vous, Cambadélis, tout ça, vous pouvez le défendre. Ben, c'est ce que je suis en train de faire. Mais en même temps, ce sont des attaques qui sont tellement personnalisées que je les trouve spécialement lâches parce que justement, comment peut-il expliquer les choses? Comment peut-il le faire? Et je suis frappé de certaines contradictions. Il y a quelques jours, le Premier ministre était à la télévision. Il a fait une espèce d'injonction majestueuse. Je souhaite que le ministre Strauss-Kahn reste au Fonds monétaire international. Sous-entendu, c'est un grand haut fonctionnaire et qu'il le reste. Et puis dans le même temps, on l'attaque dans le débat politique français. Or, comme il est un grand haut fonctionnaire, il ne peut pas répondre, si ce n'est à travers ses avocats. Sans faire preuve de mauvais esprit, moi je me rappelle que les attaques les plus dures contre Ségolène Royal venaient pas forcément du camp opposé. Donc quand vous désignez l'origine probable, selon vous, des attaques, moi je pense que la situation est plus compliquée. Il n'y a pas que Sarkozy et la droite qui aient intérêt à affaiblir Dominique Strauss-Kahn. Il y a aussi François Hollande et Martine Aubry. Ben, par exemple. Oui. Moi je ne vois pas les choses comme ça à ce stade, mais il est vrai qu'il est important que nous soyons une famille peut-être un peu plus solidaire, qu'il ne nous arrive de l'être. En tout cas, ça arrange bien François Hollande en ce moment, cette affaire. L'homme à la Rolex, j'allais dire au Rolex. C'était plutôt du scooter, donc vous parliez, non? Oui, Scolex. Parce que la Rolex, c'était un peu autre chose. Ça. Non, je pense qu'il ne faut pas penser comme cela. Je pense que François Hollande n'a pas tout joué de ça. Mais en même temps, ce que je souhaite, c'est que la campagne entre les socialistes, pour le coup, soit une campagne digne. Parce que derrière ça, il y a quand même des enjeux qui nous dépassent. Pourquoi est-ce que j'appelle ce livre « Défaite interdite » Parce qu'honnêtement, si on perd une quatrième fois l'élection présidentielle dans ce contexte, les Français nous en voudront et ils auront raison. Et puis ensuite, ils auront Sarkozy 5 ans de plus. Sur la Porsche. Je vous donne la parole sur la Porsche dans un instant, mais quand même, parce que moi aussi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit. Vous dites, il ne peut pas répondre parce qu'il est président du Fonds monétaire international. Mais enfin, on ne l'a pas forcé à être président du Fonds monétaire international. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise idée de la part de Dominique Strauss-Kahn d'avoir réclamé, puisqu'on sait même qu'il l'a réclamé à Nicolas Sarkozy, enfin, il avait besoin du soutien de Nicolas Sarkozy pour l'être président du Fonds monétaire international. Est-ce que quand on veut être président de la République française, on ne peut pas être assez patient pendant quelques années et ne pas forcément avoir pour ambition personnelle d'être à Washington et de s'occuper du programme de la France plutôt que d'avoir un haut poste pendant quelques années. On n'a pas forcé à être président du FMI. Cette question, elle est plus que pertinente, mais je vais donner une réponse un peu décalée. Ma conviction, je connais Dominique Strauss-Kahn depuis 30 ans pour le coup, j'ai été son élève, c'est lui qui m'a fait adhérer au Parti Socialiste, qui a pris un jeune haut fonctionnaire que j'étais pour en faire un expert, puis ensuite devenir un responsable. Ma conviction, c'est que quand Dominique Strauss-Kahn part à Washington pour être directeur général du FMI, il n'a pas dans la tête un retour. Il n'est pas en train de préparer un retour. Et ce qu'il fait au FMI... Vous voulez dire qu'il ne réfléchit pas longtemps à l'avance? C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il s'est consacré totalement à ce qu'il a fait. C'est dommage. C'est quand même un boulot assez important. Et c'est la crise qui fait du Fonds monétaire international un acteur de premier plan sur le plan international. Et c'est aussi le fait que, sur le terrain français, les problèmes économiques et sociaux deviennent tellement sérieux qu'il y a une pensée chez les Français. D'ailleurs, raisonnons un peu par l'absurde. Quand Dominique Strauss-Kahn part en 2007, il est un député qui vient d'être réélu à Sarcelles, qui a été battu dans une primaire et battu sèchement, et il n'est pas au niveau où il est aujourd'hui. S'il est à ce niveau, c'est parce que, comme directeur général du FMI, il apparaît aux gens comme quelqu'un, je le répète... Il a gagné en crédibilité. Oui, en crédibilité, en stature, en envergure. Et c'est comme ça que les choses sont passées. Et c'est pas un calcul. Besson d'abord et Zemmour ensuite. On parlait tout à l'heure, vous parliez de Mitterrand. Moi, je suis pas sûr que si en 1979, François Mitterrand avait été... directeur du Fonds monétaire international, il aurait pu susciter cet élan et cet enthousiasme général pour sa candidature à la présidence un an après. Ce qui me frappe d'ailleurs dans l'hommage que vous avez rendu à Mitterrand, c'est qu'en effet le climat est complètement opposé. Je veux dire qu'il y avait un élan, un discours, un lyrisme, une unité. Et là, effectivement, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, on assiste à une espèce de campagne de délation, de petits trucs un peu minables. Et je ne vois pas, moi, comment vous allez pouvoir surmonter ça et arriver à cet élan, le même élan qui a fait venir François Mitterrand à la présidence de la République en 1980. C'est un temps très différent parce que la France de 80 n'était pas non plus à gauche, mais elle était plus à gauche qu'aujourd'hui. Il y avait un parti communiste déjà. Il y avait un parti communiste et l'alternance ne s'était pas produite depuis 23 ans. Et le thème de cette campagne, c'était le changement. Comment est-ce qu'on... Changer la vie. Changer la vie. Un peu l'ambition. Changer la vie. Quand même très très loin là. Changer la vie et changer le pouvoir. Depuis, c'est vrai, le pays s'est enfoncé dans la crise. Et puis, il y a eu des alternances plus fréquentes. La gauche elle-même s'est convertie à une forme de réalisme parce que quand même, le programme commun
des années 70 et le programme de Mitterrand en 81 s'est ensuite heurté à un certain nombre de réalités que nous ne connaissions pas. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait appel à des profils différents. Mais le type de personnage qu'on appelle au pouvoir n'est pas le même. Observons quand même que depuis 2002, nous avons eu successivement... C'est compatible avec une candidature de gauche d'être directeur du FMI pendant 4 ans. Moi, je pense qu'un homme se définit par ce qu'il est et par ce qu'il fait. Et je connais encore une fois Dominique Strauss-Kahn depuis 30 ans. C'est un homme de gauche. Oui, mais enfin, le FMI, c'est un peu le fer de lance du capitalisme international. Donc, c'est un tout petit peu difficile d'appeler ça socialisme. Enfin, parce que les mots ont quand même un sens. Socialisme, ça a un sens, même si aujourd'hui, il a beaucoup changé. Et capitalisme, ça a un sens aussi. Vous avez raison sur un point. Puis, à mon avis, il y a une chose un peu plus compliquée. Et, d'abord, il est directeur général du FMI. Il n'est pas président du monde, il n'est pas président du FMI. C'est une organisation internationale. Toutes les semaines, il réunit un board, c'est-à-dire un conseil d'administration. Et il y a des règles qui sont précises dans cette institution. Donc, il n'en fait pas ce qu'il veut. Mais moi, je pense, et c'est aussi ce qui explique qu'aujourd'hui, il ait ce crédit dans l'opinion, qu'il a transformé le FMI. Le FMI, c'était un peu comme ça le gendarme. C'était une instance punitive. Et aujourd'hui, il est venu au secours de pays en développement. La façon de traiter les pays africains ou sud-américains n'est pas la même. Il injecte des liquidités dans l'économie. Il a lancé un fonds vert. Vikash n'a pas l'air d'accord. Il est plus pour la régulation de la finance internationale que pour la punition des fraudeurs. Je suis peut-être pas d'accord, mais une élection présidentielle, ça joue aussi sur ce qui se passe en France. Et ce qu'il ait fait ça à l'international, c'est super, formidable, mais nous, on n'est pas dans ça. Changer la vie en 80, c'est aussi changer la vie aujourd'hui, quand on en est au même point. Il faut changer la vie des gens, quoi. Et moi, je suis de gauche, je voterai pour Strauss-Kahn s'il est candidat à gauche, quoi, de toute façon. Mais on en est au même point. Et nous, comme il est loin de la France, on se rend même pas compte de ce qu'il est capable de faire en France, quoi. Si je puis me permettre, c'est exactement, je voudrais, alors là, prolonger ce fil-là, parce que. Je vous en prie. Vous pouvez pas repousser comme ça l'attaque sur la Porsche et tout, même si c'est minable, même si c'est des boules puantes, tout ce que vous voulez. Il faut comprendre pourquoi ça marche. Pourquoi il y a cet impact. Et c'est exactement ce qu'ils ont dit. C'est parce que vous le vouliez ou non, Dominique Strauss-Kahn, par son mode de vie, par sa conception du monde, par le fait qu'il soit directeur du FMI, par ce qu'est le FMI, parce que vous êtes gentil quand vous dites il vient à l'aide des pays sud-américains, mais enfin c'est aussi celui qui impose le plan de rigueur à la Grèce et à d'autres pays. Bon, quand même. C'est quand même l'incarnation des élites mondialisées, comme disait Jean-Pierre Chevènement. Et ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et c'est pour ça que ça prend comme un feu dans la savane. Il suffit de mettre une allumette, une Porsche, c'est rien du tout. Georges Pompidou, dans les années 60, rentrait à Matignon, vous savez bien, avec sa Porsche. Et ça ne choquait pas les Français. Pourquoi ? Parce que les Français étaient convaincus que le général de Gaulle et Georges Pompidou défendaient les Français et qu'il n'y avait pas ce décalage entre les élites et le peuple. Aujourd'hui, on a l'impression que, contrairement à ce que vous dites, il y a des élites de droite comme de gauche qui sont une espèce d'oligarchie, qui ont des accords avec les restes des élites mondiales. Si Carlos Ghosn se présentait à la place de Strauss-Kahn, ça serait la même chose pour les Français. Parce que nous, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de choses. D'abord, je réponds à Vikash Jorazo, puis je vous répondrai après. C'est pas la même chose. Moi, je ne dis pas. Je dis jamais la même chose. Ça m'étonne pas complètement. Mais je dis mieux, c'est tout. Je ne dis pas que c'est parce que Dominique Strauss-Kahn est directeur général du FMI qu'il peut être élu président de la République. Je dis que le fait qu'il le soit est quelque chose qui a renforcé sa crédibilité, sa stature, qu'en plus il a fait changer l'institution. Mais évidemment, le candidat socialiste devra proposer à la France une politique de gauche et il la proposera ici. Je dirais simplement que, contrairement à ce que vous pouvez laisser penser, c'est pas un handicap si c'était lui. Parce que je ne sais pas encore une fois si ce sera lui. Ce ne serait pas un handicap d'avoir été directeur général du FMI, parce que justement, il a été au feu dans la crise et qu'il a apporté des choses. Et contrairement à ce que vous dites, Éric Zemmour, c'est pas vrai que c'est le FMI qui propose un plan à la Grèce. C'est l'Europe. C'est totalement faux. C'est l'Europe. C'est l'Europe, absolument. Et vous savez. Mais c'est le FMI, le bras armé aussi de l'Europe. Je vais vous reprendre une expression. D'accord, mais. Une expression qui est celle du secrétaire général de la CGT portugaise. Vous savez que quand on traite un pays. Il y a une troïka qui intervient, l'Union européenne, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. Et monsieur, je ne sais plus son nom, il a dit, le FMI c'est l'aile gauche, parce que justement, le FMI
ne souhaite pas que les plans soient réalisés trop vite. Le FMI fait attention aux plus vulnérables. Le FMI n'impose pas les mesures. C'est le pays lui-même qui les choisit. Et s'agissant de la Grèce, c'est un plan qui a été choisi par le gouvernement grec et pas imposé par le FMI. Enfin, si vous voulez, s'agissant des élites, etc., moi je me méfie beaucoup de tout ça. Toute politique a un aspect élitiste. Dès lors qu'on est un élu, là pour le coup, soyons presque étymologiques, on est dans une forme d'élite. On a affaire à une élection. Et ne laissons pas croire qu'il y a là, ici, des gens qui seraient plus comme ci et plus comme ça. Et s'agissant de Dominique Strauss-Kahn, moi j'y reviens quand même, encore une fois, ce parcours que j'ai connu. Moi j'ai connu Dominique Strauss-Kahn, c'était en 82, c'était un jeune prof qui venait d'une famille laïque, d'une famille socialiste, qui est resté toute sa vie un fonctionnaire, qui a agi en socialiste, qui a été un élu socialiste, qui a été maire en plus d'une commune de banlieue mais qui s'appelle Sarcelles, Épanouilly, et qui, au FMI, agit ça, en progressiste. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez, et donc moi, je crois pas du tout à cette affaire-là. Vous ne pouvez pas laisser croire que j'attaque le principe même des élites. Vous avez très bien compris ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je pense que les gens sont persuadés, et non sans raison, qu'aujourd'hui il y a une alliance oligarchique mondiale des élites qui ont mis en concurrence les peuples du monde entier dans le cadre de la mondialisation, ce qui fait que ça fait baisser les salaires des pays les plus riches et que les élites en profitent. Les élites françaises, M. Dominique Strauss-Kahn a un train de vie assez impressionnant, que vous le vouliez ou non, ça va sortir, ça sort déjà. Ça fait une demi-heure qu'on est là-dessus aussi. Mais non, mais c'est important. Parce que ce qui représente, l'image qui renvoie, c'est une chose, mais ce qui propose, c'est une autre. Là, on est uniquement sur l'image. Mais l'apport, c'est vrai, pas une demi-heure quand même. Voilà. Parlons un peu du contenu du livre. Moi, je veux bien qu'on parle d'autre chose, ça ne me gêne pas, mais je vous dis, vous ne pouvez pas empêcher ça. Non, mais à travers ça, on parle quand même de problèmes de contenu. Par exemple, de ce que fait le FMI, mais je ne suis pas du tout sur cette thèse un peu complotiste d'une sorte d'oligarchie mondiale. Il y a une finance mondiale, il y a un capitalisme mondial. Il y a d'un autre côté des organisations internationales et des États dont le rôle est de réguler. Et je pense que ça a un nom, ça s'appelle la social-démocratie. Et Nono, pardon, je vous donne la parole tout de suite, vous allez pouvoir continuer sur le contenu du livre, mais on a toujours dit et on le sait qu'une présidentielle se joue évidemment sur un programme, mais aussi sur un homme, et que donc l'image de cet homme, évidemment, quelconque. Je précise que là, comme on était dans l'attaque de quelqu'un que je considère à la fois comme une personne de grande valeur et comme un ami, j'ai répondu. Mais que ce qui importe, encore une fois, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Et en plus, que Dominique Strauss-Kahn n'est pas aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Et il ne peut pas se défendre lui-même. Vous voulez dire qu'il va venir avec des costumes plus vieux quand il va être candidat? il va arriver en tongue. Je ne vais pas en rajouter là-dessus parce que j'ai dit qu'on avait été trop long, mais c'est vrai que je suis surpris quand même du décalage entre FMI, Washington. On ne parle jamais de Sarcelles et de ce qu'il a fait avant, comme s'il était réduit, on réduisait sa carrière à les trois dernières années. Donc je trouve que c'est un peu faussé comme débat. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre livre, il y a la partie proposition, et dans la première partie, vous énumérez une partie des conditions à remplir pour que Dominique Strauss-Kahn, puisque c'est votre candidat, je pense que vous verriez bien Premier ministre d'ailleurs, j'ai pris ça un peu comme un CV un peu étendu sur 400 pages. Un CV pas anonyme. Non, pas anonyme. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que je suis persuadé qu'on ne peut pas, en 2012, faire un remake de 97. Ça ne peut pas être les mêmes idées, les mêmes hommes. Il faudra que la génération à laquelle j'appartiens soit au premier plan. Elle ne sera probablement pas à l'Élysée, mais il faut qu'elle soit au premier plan. Et ce serait une erreur de faire quelque chose qui soit le retour, 20 ans après, si vous voulez, après les Trois Mousquetaires. Parce que vous dites que les quadras, ils sont qu'un cas aujourd'hui, pour la plupart. Ben, on est dans une situation assez originale en France, où c'est vrai qu'on a des leaders politiques qui ont commencé il y a longtemps, où les cadras, moi, on m'a longtemps caractérisé de cadras, sont qu'un cas. Tous, hein, tous ceux que vous invitez, les Manuel Valls, les Montebourg, ils sont de 62, ils auront 50 ans en 2012, et où le leader, Benoît Hamon, qu'on appelle le leader des jeunes socialistes, il est plus âgé que le chef du Parti travailliste, que le Premier ministre britannique et que le chef du Parti libéral. On a quand même en France une société politique qui vieillit. Heureusement, et donc, heureusement ça se renouvelle. Comme jeune à gauche. Absolument. Vous en parlez, hein, de Chevènement, dans votre livre à plusieurs reprises. Cela dit, d'un point de vue littéraire, 20 ans après, est bien supérieur aux Trois Mousquetaires. Exact. Donc voilà. Il y a quand même déjà quelque chose d'un peu crépusculaire. Oui, mais littérairement, c'est beaucoup plus beau. Alors, les deux conditions à remplir, moi, j'en ai
sélectionner deux, il y en a beaucoup plus. Il y a cette histoire de primaire. Moi, je regrette, ça continue de me fasciner. Vous expliquez d'un côté que, et c'est tout à fait exact à mon avis, que le Parti Socialiste a beaucoup de mal avec la culture présidentielle, l'homme ou la femme présidentielle, et vous proposez de le faire au carré avec cette histoire de primaire qui va être la même chose, c'est-à-dire ça va être la primauté de la petite phrase, de l'image. Les boules puantes, à mon avis, vont voler bas aussi en juin avant l'année prochaine. Et est-ce qu'au fond, Daniel Vaillant n'a pas raison en disant que la véritable primaire, c'est le premier tour d'une élection présidentielle, dans la mesure où toutes les pensées de gauche vont être représentées et que, par ailleurs, dans le livre, vous dites vous-même qu'entre les grands leaders socialistes, il y a moins d'écart, moins de désaccord qu'on pourrait le croire. Donc, pourquoi, je vous pose à ça, parce que je pose à chaque dirigeant socialiste qui vient, pourquoi cette drôle d'idée de primaire ? Parce que personne ne s'impose naturellement, déjà. Ça devrait être le premier secrétaire. Il y a deux raisons. La première, c'est celle-là. C'est-à-dire que depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis le départ brutal de Jospin le 21 avril 2002, nous sommes en panne de leadership. Successivement, on a eu un premier secrétaire, François Hollande, qui n'a pas pu être candidat. Nous avons eu une candidate qui n'a pas pu être premier secrétaire, c'était Ségolène Royal. Et puis nous avons une première secrétaire qui, à ce jour, je ne sais pas ce qui va se passer dans le mois qui vient, n'est pas candidate. Victoire de Lille, c'est bon pour elle. C'est très bon. Et encore une fois, c'est une femme de grande qualité. Et je pense que c'est entre elle et Dominique Strauss-Kahn que va se jouer une bonne partie de cette affaire. Et c'est à eux. Et moi, je leur fais confiance dans leurs paroles mutuelles. Mais encore une fois, il n'y a pas de leader naturel. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous manque. On parlait de Mitterrand. Ça devrait être le premier secrétaire. Ce serait simple. Mais ce n'est pas par fonction. Alors la deuxième raison, c'est qu'effectivement notre dernier congrès, mais je ne veux pas entrer dans les détails, le congrès de Reims s'est déroulé dans des conditions contestées et contestables. Telle fédération, telle autre, ça s'est terminé à quelques dizaines de voix. Et franchement, si ça se passait comme ça pour le choix du candidat à la présidentielle, on en aurait deux pour le prix d'un ou pour le prix d'une. Et donc il fallait avoir recours pour choisir, puisque ça n'était pas automatiquement le premier secrétaire, ça peut être le premier secrétaire, avoir recours à une procédure démocratique plus large. Mais après, c'est pas simple. Il y a des primaires réussies. Prenez l'exemple Obama-Clinton. On s'affronte. Premier tour. Mais de toute façon, il y a une chose que vous savez bien quand même, c'est que la politique est une compétition et que dès lors qu'on ne connaît pas son leader avant, c'est plus le Parti Socialiste des années 70, il aurait fallu au moins un congrès. Et un congrès du PS, à mon avis, c'est plutôt pire qu'une primaire qui se joue devant des électeurs qui, au moins, souhaitent quelque chose de positif. Ah, vous parlez en connaissance de cause. Ce qui compte, c'est le rassemblement après. Alors, ce qui compte, c'est le rassemblement après. On espère que, admettons, par accident, pour vous, que ce soit François Hollande qui gagne la primaire contre Desca. Vous soutiendrez François Hollande ? Mais évidemment. Mais il ne sera pas Premier ministre. dans l'autre cas non plus, peut-être. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas en train de préparer un casting. Ça fait 10 ans que la gauche est dans l'opposition. Ça fait 24 ans, en 2012, qu'elle n'a pas gagné la présidentielle. Et moi, mon souhait, c'est d'abord que la gauche gagne. Après, on verra avec qui et pourquoi faire. Mais si c'est François Hollande, je le soutiendrai ardemment. Parce que ce qui importe, encore une fois, comme vous l'avez dit, les primaires, c'est une compétition. Derrière, c'est le rassemblement. L'image Clinton-Obama, après les primaires, il l'appelle à la tribune. Elle sera son principal ministre. C'est une image formidable. Et elle efface la compétition. Quand, en 2006, nous avons déjà fait une primaire, vous vous souvenez, c'était Fabius, Strauss-Kahn et Ségolène Royal, il n'y a pas eu cette image. Ségolène Royal n'a pas appelé ses rivaux et ses rivaux ne l'ont pas reconnue. Là, cette fois-ci, il faudra qu'on se retrouve. Vous-même, et hein, vous qui dites qu'elle que soit. Vous avez rarement été aussi peu sollicité pendant une campagne que pendant celle-là. J'ai rien fichu. J'étais secrétaire aux relations internationales du Parti Socialiste. Je pense que j'étais ministre des Affaires européennes pendant 5 ans. J'étais vice-président du Parlement européen à l'époque. On ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, même sur l'Europe. C'était bizarre, non? Alors, c'est parce qu'elle n'a pas su vous appeler ou... C'est parce que Ségolène Royal a fait campagne à l'époque avec son équipe et le parti était de côté. Et ça, ça c'est, pour le coup, c'est une explication d'une défaite. Et à l'inverse, c'est une condition d'une victoire. Il faut un candidat, il faut un rassemblement autour de lui et il faut un parti mobilisé derrière lui ou derrière elle. Un dernier mot chacun sur le livre. Deuxième condition, vous en parlez, il faut gagner malgré la droitisation, alors européenne, mais moi je parle du cas français. La droitisation, c'est pas seulement la séquence débat sur la laïcité, ça date de 10 ans. Mais moi j'ai envie de vous poser cette question, mais où étiez-vous pendant ces 10 ans? Où était le PS? Où était la gauche? Vous vous êtes pas laissé diaboliser, vous vous êtes laissé angéliser. De peur d'être taxé de laxisme, de boboïsme, notamment par mon voisin de droite, bien placé en l'occurrence, vous n'osez plus intervenir. Ça fait 30 ans qu'il me traite. Mais oui, mais vous n'osez plus intervenir sur les questions d'immigration, de sécurité, si bien que la droite dure, que certains appellent même la droite Zemmour,
Ben c'est devenu le nouveau politiquement correct. Non, pas du tout. C'est devenu le discours dominant, c'est-à-dire c'est que pas pareil, toute la journée. Correct et discours dominant. Mais oui, mais en l'occurrence, ça se recoupe. C'est-à-dire que le matin sur RTL à 7h, à 13h sur RMC, à 19h encore sur RTL et entre-temps dans le Figaro, vous avez, ils occupent tout le champ médiatique, on n'entend que. Parce que simplement, la gauche ne sait plus se positionner sur ces questions. Alors, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est que celui qui gagne une élection présidentielle, on peut le constater depuis toujours, c'est celui qui est sur le thème de la campagne. Et mon intuition, c'est que le thème de la campagne ne sera pas principalement un thème identitaire, mais essentiellement un thème économique et social. Mais ça ne nous dispense pas de traiter les questions identitaires. Moi, je suis élu d'une terre ouvrière, le pays de Montbéliard, qui a voté pour Jean-Marie Le Pen à 30% le 21 avril 2002, qui a revoté au cantonal à nouveau pour le Front National. Je connais cet électorat ouvrier. Je réponds au passage que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille abandonner l'électorat ouvrier. Au contraire, je pense que la gauche de demain doit être une gauche populaire, c'est-à-dire d'abord répondre à ses aspirations économiques, la relance de l'industrie, la machine industrielle et économique qui repart, mais aussi qu'on ne doit pas être angélique sur le terrain de la sécurité. Et de ce point de vue-là, reconnaissez-le quand même, même vous, Éric Zemmour, quand vous observez les socialistes, quand vous voyez les livres qui sont écrits, le programme du PS, nous ne sommes plus angéliques sur la sécurité. Nous disons au contraire qu'il manque de policiers et de gendarmes de ce pays. Au commissariat de Montbéliard, dans ma ville, dans mon agglomération, il y avait 220 policiers en 2002, il y en a 175 aujourd'hui. Comment voulez-vous que des policiers qu'on presse comme des citrons, avec en plus une culture du résultat, puissent travailler? Il en faut plus, il faut de la police de proximité, il faut que toute faute reçoive une sanction, il faut des moyens aussi pour la justice. Non, non, il n'y aura pas. C'est un discours de droite, je m'excuse. Ben, c'est pas un discours de droite. Ben si, je m'excuse, mais Vic Cajorazzo, vraiment. C'est exactement vraiment ce que j'allais vous répondre. J'attends vous n'êtes plus angélique, là-dessus. Mais votre base l'est restée. Voilà, la réaction, elle est typique. Moi, j'attends pas la gauche dessus. Mais c'est pas Vicage et Zemmour après. Non, moi, j'attends pas la gauche là-dessus. J'attends la gauche sur la solidarité, le partage, la redistribution, enfin, des choses comme ça. C'est ce qui fait qu'à un moment après, il y a des problèmes sociaux, des problèmes d'insécurité. Moi, je vois les choses à l'envers. Mais moi aussi, j'ai commencé par dire avant tout, point 1, relancer l'économie. Point 2, la justice sociale, avec notamment une réforme fiscale qui doit être fondamentale. Mais nous ne devons pas laisser la sécurité de côté. Je peux vous assurer que les ouvriers, de Montbéliard, ils attendent une forme de fermeté de notre part. Une fermeté. Fermeté n'est pas injustice. Hein. Fermeté, c'est une fermeté juste pour le coup. Et quand Ségolène Royal, je ne soutiens pas toujours, parlait d'ordre juste en 2007, elle avait touché un point. Zemmour, pour conclure. Déjà, c'était rapide. Allez, oui. Il est minuit 24, je vous signale. Écoutez, je vais aller très très vite. Moi aussi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce que... Et je vous signale d'ailleurs que l'Azerbaïdjan a gagné le concours Eurovision de la chanson. Tant mieux pour eux. Voilà. on ne peut pas chanter en azéri. Le français a terminé 15e. Il a remonté. Hein. Il chantait anglais, l'azéri, non ? Comme d'habitude. Bon. Je suis angélique, mais la droite qui est sécuritaire, normalement, aujourd'hui, n'aurait aucun problème. Donc je vois pas pourquoi la gauche qui irait sur ce terrain-là réglerait les problèmes que la droite ne règle pas avec justement un discours tout de droite. Tout à fait d'accord. Et très sécuritaire. Le discours est sécuritaire. Donc mais je vois pas pourquoi moi je suis angélique parce que je suis de gauche et je pense à autre chose, autrement. Ah non, mais je ne vous reproche pas d'être angélique, hein, c'est pas grave. Bah, si. C'est bien d'être angélique, mais qui fait l'ange fait la bête, vous savez, ça se finit. Vous êtes réaliste. Donnez des mots. Le réalisme montre aujourd'hui que il n'est pas efficace. Moi, je suis pas au gouvernement et je dis comme vous, le gouvernement n'est pas efficace. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est le problème, c'est que pourquoi vous n'êtes pas au gouvernement? On se demande. Alors, moi, je peux parler ou c'est... Allez, vous terminez. Voilà. Non, parce que l'année prochaine. Voilà. J'ai eu plaisir à lire ce livre parce que j'ai trouvé une pépinière ici. Le livre d'un conservateur intelligent. C'est-à-dire que conservateur parce que sur le fond, vous ne renoncez à rien et que finalement, c'est vous, symboliquement, qui, bien que vous soyez dans l'opposition depuis 10 ans, ça n'a pas changé radicalement par rapport au temps où vous étiez au gouvernement. Toutes les positions que vous prenez sont à peu près les mêmes que celles que vous preniez il y a 10 ans. Je lis, on n'a pas le temps, mais sur l'Europe, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la laïcité, sur des tas de sujets. Finalement, vous n'avez pas bougé. Alors, pourquoi il est intelligent? Vous êtes un conservateur intelligent parce que vous entendez
la critique. C'est-à-dire que vous appréciez, vous avez entendu, vous avez compris même les critiques et vous les comprenez. Mais le résultat, c'est que ça ne change rien. Vous ne changez pas d'avis. Par exemple, vous dites qu'il faut être social-démocrate. Ça me fait rire parce que quand toute l'Europe était social-démocrate, les socialistes étaient marxistes. Et maintenant que toute l'Europe est social-libérale, les socialistes découvrent la social-démocratie. Sauf que la social-démocratie, mon cher Pierre, c'est fini. Parce que dans la mondialisation, on ne peut plus faire un compromis entre les syndicats et le patronat parce que le patronat est beaucoup trop fort. C'est exactement ce qui se passe dans tous les pays d'Europe. Et c'est ce qui a écrasé les syndicats dans toute l'Europe, même les pays les plus sociaux-démocrates. Alors, on laisse répondre. Mais si, même en Scandinavie. Ça ressemble plus à un jugement de valeur que je ne peux pas réfuter en deux phrases. Mais il y a une chose sur laquelle je n'ai pas changé, en effet. Et là, je réponds à ce que disait Patrick Besson. J'étais socialiste, je suis toujours socialiste. Et il ne faut pas qu'on s'attende, pour le coup, à trouver la gauche sur les positions de la droite, y compris sur la sécurité. J'ai dit juste qu'il fallait donner des moyens de sécurité. Je n'ai pas dit que ça devait être la même politique, que les sanctions devaient être les mêmes, que la justice devait être la même. Et je pense que derrière ça, il y a aussi une notion de justice sociale fondamentale. Et qu'est-ce que c'est être socialiste ? C'est d'abord souhaiter effectivement qu'il y ait une croissance nouvelle, qui soit une croissance écologique. Et de ce point de vue-là, vous avez tort de dire que les socialistes n'ont pas changé, que je n'ai pas changé. J'ai profondément changé sur ce plan-là. Nous ne sommes plus, et je ne suis plus aujourd'hui, un productiviste. On peut tout à fait articuler industrie et écologie. C'est la justice sociale. Donc, sur tous ces terrains-là, oui, je n'ai pas changé. Si être socialiste, c'est être conservateur, je suis conservateur. Et quant à être intelligent, je prends plutôt ça comme un compliment. C'est une critique. Non, tout à fait, je le prends comme ça. Je pense surtout que ce qui a changé profondément par rapport à 2002, c'est le contexte économique, c'est le contexte social. La France d'aujourd'hui a une souffrance beaucoup plus importante. La France d'aujourd'hui est beaucoup plus clivée. Les inégalités sont beaucoup plus fortes. Et d'un certain point de vue, il faut qu'on soit beaucoup plus radicaux comme socialistes que nous l'étions à l'époque. Sauf que votre électorat populaire et ouvrier est parti et vous ne le récupérerez pas avec un discours à la Vicage de Rasseau. Et ça, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. L'électorat ouvrier aujourd'hui a des valeurs qui sont beaucoup plus proches de la droite, voire de l'extrême droite. Et vous savez très bien, c'est une étude elle-même de Terra Nova, votre groupe de pensée socialiste, qui le dit. Olivier Véran dit pas ça. Non, il dit pas complètement ça. Et ça a été repris comme ça. Il dit qu'il faut essayer de les reconquérir. Mais oui, peut-être qu'ils sont perdus, mais il faut les reconquérir, mais faut parler à l'ensemble des Français. Savez, il ne dit pas du tout la même chose que ça. Mais que je l'ai lu, l'étude. Ouais, mais exactement ça. Après, ça a été repris comme ça. Pour le coup, sans être dans le paléo-marxisme, je pense qu'il faut reconstituer ce qu'on appelait à l'époque un front de classe. Absolument. C'est-à-dire, oui, aller chercher ces nouvelles couches, être sensible à ses valeurs. Mais il faut parler le discours qu'il entend. Être aussi très attaché aux valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, laïcité, qui ne sont pas ringardes. Ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy les attaque qu'elles ne sont pas ringardes. Et dans le même temps, mener une politique économique et sociale qui soit beaucoup plus radicale, qui soit une politique de redistribution très forte. Donc il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Allez, ça s'appelle Défaite interdite, plaidoyer pour une gauche au rendez-vous de l'histoire chez Flammarion. C'est signé Pierre Moscovici. On vous a demandé de choisir un dessin de l'actualité de la semaine, monsieur Moscovici. Et vous avez choisi, ce n'est pas un hasard, ce dessin publié dans Canard Enchaîné, dessiné par Lefred Touron, qui est l'héritier de Mitterrand. On fait tourner les tables au Parti Socialiste pour le savoir. Écoutez-le, il me parle, dit Ségolène Royal. Et là, on voit François Hollande et Martine Aubry qui lui répondent « Je l'entends, il demande que tu la fermes ». Alors C'est pas l'aspect anti-ségoléniste que je soulignais. Ah bon, c'est autre chose. C'est ce côté, c'est ce côté un peu amusant de cette commémoration. On avait l'impression que chacun essayait de s'approprier un bout de la vraie croix. Et ma thèse, c'est celle du fils de François Mitterrand, Gilbert, qui disait « François Mitterrand doit avoir un successeur. En 2012, il n'a pas d'héritier ». Et tous ceux qui... Vous savez, là encore, on va être dans le marxisme. Marx avait une phrase, il disait « L'histoire... elle se répète toujours. La première fois, c'est une tragédie. La deuxième fois, c'est une farce. Évitons les farces. » Donc, en 2012, un nouveau président socialiste qui empruntera à François Mitterrand des recettes du succès, mais qui ne sera pas un clone de Mitterrand. Il ne doit pas être un clone. Ne succombons pas à l'imitation. Inventons, justement, pour ne pas être conservateur, une nouvelle gauche.
Vicage de Rasso a choisi ce dessin publié par François. Ah bon? Oui. C'est Babouz qui signe ce dessin. En cumulant, vous gagnez. On imagine quelqu'un qui a entendu Laurent Wauquiez qui dit en cumulant, vous gagnez autant qu'au SMIC. Ça suffit comme ça. Et là, le Français répond c'est vrai, ça. Il faut augmenter le SMIC. C'est prendre l'information à l'envers. Non, si je ne savais pas que j'avais choisi ça, à vrai dire. Ah bah si. Vous me prenez de court. Bah dites donc, il faudrait savoir ce que vous faites alors. Vous regardez pas les matchs que vous commentez. Vous choisissez pas les dessins. Non, mais c'est. Oui, ce qu'a dit Wauquiez là, c'était assez caricatural. Voilà. Il faut encore punir un peu plus ceux qui sont déjà punis. Je vous ai dérangé, la Vicage, peut-être. Non, j'ai écouté, j'étais un peu séduit. Par. Vous ne voulez pas vous présenter à l'élection présidentielle? Mais il voulait. Mais vous avez un peu... c'est ça une bonne question qui vous pose. Vous l'avez un peu foiré, votre médiatisation, monsieur Moscovici. Si ça avait été mon objectif seul et unique, ce serait probablement raté. C'était pas votre objectif, mais on sait que... Une candidature, ça passe par la médiatisation. Et on peut dire, par exemple, que quelqu'un comme Manuel Valls l'a plus réussi que vous. Je ne crois pas tellement. Je pense que... Non. Vous savez, c'est une affaire de situation, cette affaire-là. Et moi, j'ai préféré privilégier l'intérêt général à l'intérêt particulier. Bah oui. Ça fait beaucoup, là. Mais écoutez, après Ségolène, Manuel Valls... Non, ce n'est pas par rapport à lui que je disais ça. Je parlais par rapport à moi. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'avais dit moi, je vais être candidat, observez que Manuel Valls ne le sera probablement pas non plus et qu'il soutiendra peut-être Dominique Strauss-Kahn s'il est candidat. J'ai estimé peut-être plus tôt qu'il fallait être capable de se rassembler pour les primaires, justement pour éviter le bal des égaux, qui est souvent un bal de faux cul. Le choix de Léa Drucker, j'espère que vous avez bien choisi ce dessin, Léa. On voit Barack Obama et Kate Middleton réunis par Félix dans Charlie Hebdo. Obama et Kate Middleton, l'un et l'autre, disent « Je refuse de publier les photos de mon barbu explosé ». Oui, je sais pas ce qui m'a pris. Honnêtement, je crois... Non, j'ai vu tous ces dessins. C'est pas vous plutôt qui avez choisi ce dessin, les gars. Il y a encore temps de vous rattraper, Léa. Dites que c'est le type d'à côté. Mais non, c'est... en fait, je crois que c'était tellement vulgaire et violent que c'est le truc qui m'a... Le seul truc sur lequel j'ai réagi. Voilà, c'est une sorte de catharsis, ça me défoule, je crois. Vais-je enfin tomber sur un invité qui va assumer le choix de son dessin? Patrick Besson dans VSD a choisi un dessin signé Gueuluc. Et on voit le chat qui lui dit « Voici la photo que la CIA ne tient pas à diffuser. Elle a été prise juste avant le coup de feu. » Eh oui, parce que... D'abord, j'aime beaucoup Gueuluc. Hein. Je lui ai acheté un jour un dessin, c'est le chat comme ça. Il est là et dit « Oui, j'aime beaucoup être seul. » Et après, il dit « Et mon plaisir est plus grand selon qui n'est pas là. » Oui, j'ai même lu que vous lui reprochiez qu'il ne voulait pas donner. Hein. Non, oui, en effet, alors qu'on travaillait dans le même journal. Mais là, puisqu'il n'y avait pas de photo de Ben Laden, là, on en a eu. Philippe, t'es dégueulasse. Oui, ouais, assez cher. Ouais. Salaud. Non, mais ça a pris de la valeur depuis. Les Bogdanov, je ne vous réveille pas, Igor et Kreska. Non, on est là. Merci. Alors, lequel de vous deux a choisi celui-ci? Sortie de route, la presse continue à gloser au sujet de la Porsche. Qu'est-ce qu'on fait? On voit Strauss-Kahn qui dit bah, dites qu'elle a été volée. Non, oui, c'est moi qui ai choisi. Et en fait, c'est pour tout simplement assumer notre part de responsabilité. Alors, je vais dire quelque chose qui va surprendre, parce qu'on parle beaucoup de la Porsche depuis tout à l'heure, on parle beaucoup depuis plusieurs semaines d'ailleurs. Et en fait, cette histoire de Porsche est une histoire de famille. Je vais vous étonner, d'ailleurs, Pierre, je vais vous surprendre sans doute, en vous disant ça. Notre grand-mère est autrichienne, ça tout le monde le sait, vous le savez sûrement. Et elle avait un frère qui, à 18 ans, était en train de dessiner comme ça à Vienne, des petits croquis. À côté de lui, il y avait un autre garçon qui avait 18 ans qui dessinait la même chose. Et tout d'un coup, ils voient qu'ils dessinent tous les deux des voitures. Ils se disent, mais c'est étonnant, quand se fait-il que tu dessines des voitures? Et en fait... L'un et l'autre dessinaient ces voitures qui étaient leur rêve. Le rêve de l'un, c'était celui de notre grand-oncle, frère de notre grand-mère, et le rêve de l'autre, c'était le même rêve, c'était celui de Ferdinand Porsche. En fait, mon grand-oncle, donc Sacha Kolovrat, était à côté. Mais c'est vrai, ça a l'air d'une... Vous êtes en train de nous dire que la famille... Proche et la famille Porsche, c'est la même chose. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Je vous demande d'applaudir parce que c'est vraiment ça. Proche et Porsche. Non,
mais je dis sûr que vous ne croyez pas. On vous a tout piqué, Bogdanov. Mais non, au contraire, au contraire. C'est pour ça qu'on en veut évidemment à personne aujourd'hui de traiter Porsche d'un symbole évidemment du capitalisme triomphant. Mais c'est vrai que quand j'entends dire ce matin, c'était ce matin, cette question. Quelle est la différence entre DSK et un SDF? Non, un SDF. Vous la connaissez? Non. Non, ben. Facile, je suppose qu'elle ne va pas vous plaire, mais la différence, moi non plus d'ailleurs, hein, c'est pour une raison différente. Mais vous avez quand même eu la donnée. DSK, alors là, tous les deux changent de Porsche tous les matins, voilà. Donc, c'est pas mal. Non, c'est pas... c'est terrible. Igor a choisi un dessin sur le foot, signé Luz, publié par Charlie Hebdo, après les quotas, le carton blanc. Et on entend oui. Quelqu'un dans le public qui dit « Si un noir frappe un ballon, ce sera inscrit sur son casier judiciaire. » Non, non, c'est pas pour ça, c'est pas pour cette dernière phrase d'ailleurs que j'ai choisi le dessin, mais pour l'idée du carton blanc. Votre père a inventé le ballon. D'une part, parce que c'est vrai, la question des quotas, ça nous touche personnellement, parce qu'en dehors du grand-oncle qui a créé Porsche, il y a aussi un grand-père noir, et donc l'histoire des quotas, ça nous concerne, Gachka et moi, assez personnellement. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi le dessin. C'est l'idée d'un carton blanc, qui est en fait un carton non répressif. Un carton qui ne punit pas, mais un carton au contraire qui récompense. Bah, si, et au fond, quand on était spectateurs voilà. Dans les années 60, ça punissait, on ne pouvait pas voir le film. Exactement. Ah, mais là, un rectangle. L'idée oui, oui. D'un arbitre qui distribue des on cartons blancs... On disait d'ailleurs blancs, le carré blanc alors qu'il était rectangulaire. Oui. Non, le carton blanc est non répressif. Et c'est ça qui me plaît. C'est l'idée d'un arbitre qui distribue des récompenses à tous ses joueurs. Donc finalement, c'est un peu une utopie. Mais c'est cette utopie-là qui me plaît un peu comme le titre d'ailleurs du livre de Pierre qui dit « Défaite interdite ». Moi, ça m'avait tout de suite fait penser à Planète interdite, qui est le fameux film de SF qui a tellement enchanté nos imaginaires quand on était gamin. Ah, vous voulez dire que la victoire de la gauche, c'est de la science-fiction? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. La défaite de la gauche, c'est de la science-fiction. Non, je veux dire par là que finalement, il faut rêver. Il faut rêver grand. Il faut rêver très, très loin dans le temps pour que cette réalité finisse par arriver. Voilà Nolo, le choix de Nolo, c'est dans l'humain. Un dessin de Babouze, là encore. Laurent Wauquiez, qui s'interroge, qui voit un bagnard au loin, et le figure assassin, criminel, terroriste, pire, c'est un pauvre. Ben, oui, les travaux forcés, en fait. Oui, voilà, mais Patrick Besson a raison, son livre n'est pas seulement sur la branlette thaïlandaise, il est aussi sur le temps qui passe. Et alors, il y a un avantage. Ah non, je t'ai déjà dit qu'il était sur la mort, le temps, les sentiments. Il est aussi sur le temps qui passe. C'est un livre triste, en tout cas. Il est aussi sur le temps qui passe. Je ne pas réduire mon dernier livre de cette manière, en plus, en dehors du temps qui m'est imparti. Non, il y a un désavantage au temps qui passe, c'est qu'on voit revenir les choses cycliquement, c'est ce que disait Pierre Moscovici. Et moi, j'ai l'impression de revivre une époque que je croyais révolue, c'est-à-dire cette époque où il y avait à la fois une sorte d'arabe. Phobie et puis de salauds de pauvres. Et là, ça y est, c'est revenu. Je suis assez consterné par ça. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à la gauche d'avoir déserté ce terrain et d'avoir permis ce retour et cette décontraction de discours extrémiste. Moi, voilà. Ce qui m'a embêté, c'est que ce soit lui, parce que toute la semaine, vu son nom, alors les gens m'appelaient, ils disaient « Mais qu'est-ce que t'as contre le RSA ?» Je dis « C'est pas moi, c'est Wauquiez, pas Ruquiez !» C'était emmerdant, on m'a emmerdé avec ça toute la semaine. Zemmour. Vous comprenez mon martyr avec Éric Besson. Ah oui. Ah bah vous, c'est terrible. Ah oui, oui, moi, pareil, j'ai eu les mêmes coups de fil. Votre Besson. Sûrement, tiens, j'ai quelques photos pour vous. Votre Besson préféré, alors, c'est Luc Besson, ah, Philippe oh. Besson. Ah. C'est Luc, ouais, bien sûr. Patrick, c'est vous. Éric Besson. Non, Éric Besson, pas trop. Colette Besson. Non, ce que j'aime chez lui, c'est la trahison. Parce qu'effectivement, la trahison, c'est très politique et c'est très littéraire. Quand on écrit des livres, on trahit les siens, on trahit tout le temps. Donc, c'est pour le coup, là, chez Besson, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il ait changé de camp, si vous voulez. Mais en dehors de ça, je ne suis pas tellement d'accord avec sa pratique de la politique. On en reparlera tout à l'heure. Le dessin de Zemmour, quota dans le foot. Et on voit Ribéry qui dit sur le dessin choisi par Éric Zemmour, si on peut le voir sur les écrans, quota dans le foot, on veut encore plus de putes. Alors moi je vous ai choisi quelques dessins quand même, trois pour la route, Pierre Moscovici, celui-ci, Mitterrand est mort, et on voit Sarkozy qui dit « je montrerai pas les photos trop atroces ». Celui-là, Ben Laden, ses retrouvailles avec le Mollah Omar, signé Jules. Celle-là est bonne, oui.
quoi, où. On n'aurait pas le droit de rire de tout. Voilà, ce dessin me fait beaucoup rire. Et le Fred Touron qui signe ce dessin où on voit Carla et le président de la République. C'est un dessin prémonitoire puisqu'il ne savait pas encore que la France ne gagnerait pas le concours. Et le président dit à son épouse, en 2012, tu devrais représenter la France au concours de l'Eurovision. Voilà. Ce sera après la présidentielle. On va vous remercier, Pierre Moscovici. Votre livre est intéressant en ça qui rappelle l'histoire de la gauche de ces dernières années, des différentes élections qui sont succédées. On a quand même aussi un début de programme. On n'a pas eu suffisamment de temps pour parler de tout, mais d'autres amis socialistes à vous viendront ici d'ici les primaires et d'ici la présidentielle, j'imagine, nous en parler, peut-être même vous, une nouvelle fois. Merci beaucoup, monsieur Moscovici. Merci.